10 secondes challenge. Il faut répondre en moins de 10 secondes, c'est ça? Ouh là 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 là. Vas-y, commence de toute façon. Allez. Cite deux joueurs qui ont gagné un titre avec Pau. Freddy Fautou. Et Borisio. Je pense que c'est bon. Eh, putain. J'enchaîne. Cite trois joueurs ou anciens joueurs de Limoges qui ont joué en équipe de France. Nicolas Lang, Richard Lacoury et Adrien Morvan. Alors, cite trois couleurs qui sont sur le logo de l'Élan Bernais. Vert, blanc et noir. Facile en même temps avec le t-shirt. Voilà. Cite quatre joueurs qui ont gagné un titre avec Limoges. Voilà. Dacoury, Forte, Moerman, Léo Westerman. Il y en a beaucoup en même temps. Ouais. Cite trois spécialités du Sud-Ouest. Je sais pas. T'as connu, toi? Bon, bien sûr. C'est la ville, Sud-Ouest. Cite trois anciens coachs de Limoges. Attends, on coupe. J'en ai déjà eu quatre, moi. Malkovich, Duprat, Hervé. Cite trois joueurs qui ont joué à Limoges et à Pau. Vincent Ford, Jimmy Verov et... Purée, il n'y a rien. On en a parlé tout à l'heure en plus. Jeff. Jeff Morency. Cite trois lieux incontournables à Limoges. Beaublanc, Les Halles et Place des Bancs. C'est la vie. Moi, j'habite plein centre-ville. Moi, je suis un petit commerçant. En fait, tu connais. Quoi. Cite trois clubs de sport à Pau. L'équipe de Pau, FC au foot. Et l'Ambernais. Je ne sais pas comment on appelle le Pau rugby, mais ouais, rugby, je sais pas. Rugby Pau. Alors, dernière question. Cite, tu peux aussi chanter si tu veux. Non. Deux chants qu'on peut entendre à Beaublanc. Ouf. Limoges Allée. Et l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Je t'avoue que j'ai pas les noms des chants. J'aurais pu. Ah, super. Merci. Eh, allez. Bon, c'est pas mal débrouillé.